La grande salle du central Mouna affiche complet. En genre et en nombre, ces jeunes répondent à l'appel de l'Association des enfants des Toumaï pour le développement du Tchad. Pas de différence, ils sont tous là. Ces jeunes animés d'une seule volonté, travailler pour une transition apaisée. Cette campagne de sensibilisation que nous lançons ce soir se passera dans les 10 arrondissements de la capitale et dans quelques provinces de notre pays, à travers des sensibilisations, des conférences, des causeries débats, des formations, matchs de football et autres activités afin que cette transition soit apaisée et nous arrivons à un retour à l'ordre constitutionnel dans le temps. Au programme, plusieurs activités au centre desquels le dialogue et le vivre ensemble. Nous encourageons le président de la République à maintenir cette main tendue afin qu'on arrive à avoir un cadre réconcilié et havre de la paix. Pour ces peurs, nous lançons un message aux partis politiques, aux organisations de la société civile et autres acteurs à privilégier le dialogue et de mettre en avant les intérêts supérieurs de la nation tchadienne. Et c'est dans une belle ambiance que ces jeunes se séparent. Revêtis tous d'un nouvel engagement, porter la voix de la paix pour un retour à l'ordre constitutionnel.